Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser le défi qui est d'attraper une arme avec une canne à pêche. Alors si vous ne le saviez pas encore depuis le chapitre 2 de Fortnite, vous pouvez trouver des cannes à pêche dans la map un peu partout. Bien souvent elles se trouvent au bord des rivières ou au bord des lacs, mais quand vous avez une canne à pêche vous allez carrément pouvoir pêcher. Donc vous pouvez pêcher n'importe où. Cependant, je pense que vous ne pouvez pas trouver des armes n'importe où. Moi, j'ai pêché à un endroit totalement random, j'ai eu des boîtes de conserve toutes rouillées et j'ai eu des petits poissons qui vous restaurent votre vie si vous êtes à moins de 75% d'HP. Donc, quand vous avez une canne à pêche, ce que vous allez devoir faire pour piocher une arme, c'est trouver un endroit où il y a plusieurs poissons. Donc les poissons, vous pouvez les voir, ils sautent de l'eau, donc vous pouvez les voir à distance. Et quand vous regardez dans l'eau, il y a une sorte de rond, donc ils forment une petite vague. Et là, ça veut dire qu'il y a un petit coin avec plusieurs poissons. À cet endroit-là, vous allez lancer votre hameçon, donc en appuyant sur R2. Et dès que vous voyez que votre petit hameçon est tiré vers le bas, vous réappuyez sur R2 pour tirer la ligne. Et logiquement, vous attraperez soit une arme, soit des poissons qui vous rendent du shield ou de la vie, ou peut-être une boîte de conserve. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette partie de pêche. Vous n'avez plus qu'à pêcher une arme pour valider votre défi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mec et ciao. Peace. I'm me.